conseil, c'est l'intelligence de faire appel à un confrère pour pouvoir parler. Et au vu de ce que j'ai vu ce soir, c'est une bonne formation que j'avais en face de moi. Vous avez bien acquis les compétences, les connaissances, les aptitudes. Vous êtes dans une bonne école. Alors, parler de changement, c'est quelque chose de très intéressant et en même temps, c'est quelque chose de très complexe. Ça marche enfin. Ça marche bien. C'est ça. Complexe, pourquoi? Parce que le changement, c'est quelque chose d'incroyablement vague. Moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait comparer le changement à une notion de piqûre. On sait qu'on a besoin de la faire, mais on n'a pas envie d'y aller. Et on retarde le plus tard possible le fait de l'avoir. Pourquoi c'est si complexe, le changement? Alors, merci de me donner l'opportunité de parler de changement, parce que c'est un sujet qui me plaît beaucoup, et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes à changer. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à changer dans ma vie. Je pense, et je vous remercie pour l'accueil que vous m'avez fait, certaines personnes me connaissent à travers des vidéos que je fais aussi sur YouTube. Et parfois, quand on voit quelqu'un qui s'agite comme ça et qui donne des leçons, on a souvent le sentiment de croire que les choses sont faciles. Elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas, et tous les jours, je suis confronté au fait d'être agrippé à mes propres besoins de changement. Et il a fallu que je comprenne ce mode de fonctionnement. Avant de vous parler de changement, je vous dirai qui je suis, ce que je suis, les métiers qui sont les miens. Et ensuite, je vous dirai ce que je sais, de façon un petit peu catégorique sur la notion de changement. Après, je vous dirai ce que je crois sur le changement et sur la façon dont les changements devront être pilotés, pas simplement à l'intérieur de nous-mêmes, mais dans l'ensemble de nos institutions, en règle générale. Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le monde bouge. La dernière fois, j'étais avec un de mes petits-neveux, j'étais en train de lire avec lui un livre qui s'appelle Gulliver. Tout le monde connaît la quête de Gulliver, vous savez. Gulliver, il n'a pas de bol, hein, parce qu'il est toujours pas à la bonne place au bon moment. C'est-à-dire qu'il est toujours trop grand chez les Lilliputiens, il est toujours trop petit chez les géants, et t'as le sentiment que le gars, il a vraiment un karma pourri. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu veux pas t'aligner sur la bonne fréquence, quoi. Et vous allez voir qu'en fait, l'effet Gulliver, c'est ce que nous vivons tous aujourd'hui, à un niveau hyper planétaire. Avec des institutions qui bougent à toute allure, des changements qui sont incroyablement rapides, et nous qui, derrière, avons du mal à nous adapter. Donc il y a un rapport direct entre la notion de changement et la notion d'adaptation. Il y a un rapport direct entre la notion d'adaptation et la notion de survie. On sait depuis Darwin que les espèces qui se développent s'adaptent. Il n'y a pas d'adaptation sans changement. C'est juste impossible. Donc je vous dirai ce que je crois par rapport à ça. Et puis, si j'ai un petit peu de temps et vous un petit peu de patience, je vous dirai ce que je vois sur la façon dont les hommes, les femmes, notre société pourrait être pilotée dans les années à venir en intégrant des nouveaux outils de changement. Alors qui je suis d'abord? Un homme. Marié à la plus délicieuse des femmes, qui est ici là ce soir. Je suis un père de famille, 4 enfants, intime, faut gérer tout ça. Je suis un chef d'entreprise, ça veut dire des collaborateurs à gérer, à manager, des associés avec lesquels il faut travailler. Et puis, j'ai aussi toute une fonction qui va être cet homme qui s'inscrit dans la société, qui je suis et en quoi j'apporte ma part contributive à cette société. Et vous savez quoi? J'ai compris une chose, c'est que pour faire tout ça, vous avez besoin de changement. Parce que quand ta fille, elle a 16 ans, c'est pas le même management parental que quand ta fille, elle a 12 ans. Parce que quand elle a 12 ans, tu peux lui vendre n'importe quoi, et elle dira rien. Ou presque rien. Mais quand elle a 16 ans, qu'elle commence à maturiter la chose, qu'elle commence à comprendre que toi, son papa extraordinaire, tu es faillible, que tu as des défauts, et que cet homme parfait qu'elle pensait absolument extraordinaire, il n'est pas si extraordinaire que ça, même s'il est déjà pas mal. Quand même, on va pas tout balayer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'intègres pas le fait que le monde bouge, que les autres bougent, que ta femme bouge, que tes collaborateurs bougent, et que tu ne te poses pas la question sur quel changement ils ont abordé dans leur vie et comment moi je dois m'adapter par rapport à ça. Vous savez, on voit quelque chose de très intéressant dans le monde de l'entreprise.
C'est-à-dire qu'il y a une loi qui est très intéressante, c'est que le niveau d'exigence des collaborateurs augmente avec leur niveau de consommation et de réussite. Je répète. Le niveau d'exigence des collaborateurs vis-à-vis de leur hiérarchie, de leur management, augmente avec leur niveau de consommation et de réussite. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'au départ, quand je suis un jeune collaborateur, j'arrive dans l'entreprise, j'ai un manager qui est là, il a les process, il a la culture, il connaît ce qu'il faut faire. Je l'écoute, puis j'intègre. Je suis en relation avec les gens, j'applique. Je développe des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences. Et avant, il était là, moi j'étais là. Et petit à petit, l'écart se réduit. C'est-à-dire que si je continue à manager cet homme comme un débutant, je vais me planter. Et lui va se dire, finalement, mon manager, qu'est-ce qu'il m'apporte? En quoi il est source de progression pour moi? Et là, dans ces cas-là, il y a deux possibilités. Ou bien il fait le TMIG, travail minimum interprofessionnel garanti, pour faire son boulot, pas plus. Mais il n'apportera pas de valeur ajoutée. Ou bien, et c'est ce qui peut limite arriver de mieux, il va quitter l'entreprise et partir à la concurrence. Et moi, combien de managers j'ai vu qui disent, franco, après tout ce que j'ai fait pour cet homme, quand il était venu, chez nous, il ne connaissait rien. J'ai fait ce qu'il était, et le jour où le mec il est compétent, il se casse. Mais quel ingrat! Non, il n'est pas ingrat. Tu n'as pas développé ta compétence. Tu aurais dû changer. J'ai une histoire intéressante là-dessus. J'ai un de mes amis qui s'appelle Edgar Gros-Piron. Alors Edgar Gros-Piron, en France, super connu. Ici, certainement moins. C'est l'un de nos plus grands champions de ski de boss. Ok, champion olympique, champion du monde. Et c'est intéressant parce qu'un jour, on me racontait le coaching qu'il avait reçu par un monsieur qui s'appelle Nano Pourtier. Nano Pourtier, un homme brillantissime, un coach brillantissime, ça veut dire quoi? C'est de ces coachs qui, dès qu'ils partent dans un univers, l'univers avec lequel ils collaborent devient champion du monde ou champion olympique. C'est-à-dire qu'il accompagne les skis de descente, on devient champion du monde, champion olympique. Chez les hommes, chez les femmes. Le ski artistique, champion du monde, champion olympique. On n'avait pas gagné de médaille depuis 34 ans en bobsleigh, champion du monde, champion olympique. Cet homme est un créateur de champions. Et c'est intéressant parce qu'un jour, je discute avec Edgar qui me raconte sa première médaille de champion du monde. Et il m'a dit, écoute, ce soir-là, j'ai eu deux chocs, le choc de la victoire et le choc de Nano. Par contre, j'étais en train de faire la fête, il était à peu près 2h du matin. J'avais fait la fête, quoi, j'étais un petit peu alcoolisé. Et je tape à la porte de Nano Pourtier. Et puis à un moment donné, il m'ouvre la porte. Et je rentre et je dis, Nano, écoute, voilà. Je tiens à te remercier pour tout ce que tu as fait. Grâce à toi, je suis devenu un champion du monde. Parce que les choses, tu sais, pour moi maintenant, vont être tellement être différentes, tellement plus faciles. Merci, je te remercie de tout mon cœur. Et Nano Pourtier, comme ça, il caresse sa moustache délicatement, il dit, tu sais, gamin, profite de ta soirée. Profite à fond de cette belle soirée. Mais demain, tu reviens pas. T'es viré de l'équipe de France. Pardon? Nano, je te vire de l'équipe de France. Nano, tu déconnes, je viens d'être champion du monde. Non, c'est toi qui comprends pas. Si tu ne comprends pas que maintenant que tu es champion du monde, les vrais problèmes vont arriver. Hier, tu étais un challenger, un outsider, on ne te voyait pas venir, tu viens de sur le côté, comme ça, on ne t'a pas vu venir. Maintenant, tu es le champion qu'il faut descendre. C'est-à-dire que dans leur tête, les personnes ne visent qu'une seule personne, toi. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tu vas comprendre ce que c'est que la pression, la compétition, l'enjeu et la pression d'enjeu. Si tu crois que ça va être facile, ça ne sert à rien, tu vas te planter, tu ne reconduiras pas une médaille. Et un vrai champion, c'est pas quelqu'un qui arrive au sommet, c'est quelqu'un qui y reste. Alors voilà ce que je te propose demain. Va dormir. Fais la fête, mais va dormir. Demain matin, moi je suis à 8h sur les pistes. Si tu viens, c'est parce que tu intègres que les choses vont être beaucoup plus difficiles que ce que tu as connu jusqu'à présent. Sinon, rentre chez toi, va dans une station de sport d'hiver, ouvre un magasin avec tes parents, tu vas cartonner, tu gagneras beaucoup d'argent, et c'est bien aussi. La question, c'est est-ce que tu veux être un gérant de magasin ou un grand champion? Et le lendemain matin, Edgar, il arrive à 8h,
Il est motivé, il va voir, écoute Nano, excuse-moi pour ce que je t'ai dit hier, j'ai un problème et tout. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais bon, c'est vrai, t'as pas encore compris, Edgar. Hier, t'étais un gamin que je coachais, maintenant t'es un champion. Alors c'est pas à moi de te dire comment tu vas faire pour gagner cette fois-ci. En revanche, il y a un bar qui est là-bas, tu vas passer la matinée là-bas, et tu vas m'écrire, noir sur blanc, les stratégies et les étapes que tu vas mettre en œuvre et que tu dois développer dans ta vie aujourd'hui pour devenir encore champion du monde. Et moi, je vais m'attarder à faire qu'une seule chose, t'aider à mettre en application ce que tu auras écrit. La réussite que tu as eue hier, elle était collective. Celle que tu auras demain, elle sera hyper individuelle. Il est passé de l'entraîneur à coach. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu ne t'adaptes pas à un monde qui bouge, vous savez, on croit que les choses sont permanentes, elles ne le sont pas. On vit dans un monde du Canada Dry. Ça ressemble au même monde qu'hier. Il y a quelques petits changements, mais ça n'a rien à voir. Internet a changé tout ça. Le monde a changé avec Internet. Le monde géopolitique a changé. La révolution que vous avez créée, tous ensemble, en Afrique, elle a changé le monde. Quoi que tu veuilles, le monde change. Et ça, c'est intéressant dans le changement. J'ai entendu plein de choses intéressantes tout à l'heure. Merci pour ta brillante présentation. C'était très intéressant. Et j'ai été beaucoup touché par ce que tu as dit. Ce qui est intéressant, j'ai entendu le mot oser, prendre des risques. J'ai entendu aussi que le changement était permanent. Alors, on va parler un peu cerveau, si vous voulez bien, puis on va parler cellulaire. D'accord ? Nous avons 100 000 milliards de cellules. D'accord ? Donc, ça veut dire que si on devait aligner toutes ces cellules les unes derrière les autres, on aurait comme ça un chemin d'à peu près 15 000 km, si j'ai bien compris, trois fois le tour du numéro, t'en as pour 6 ans à faire le tour de tes cellules. C'est quand même intéressant, tu vois. Première chose, on a tout un système cellulaire. Deuxième chose, on a tout un système psychologique, mué par deux choses, l'ego et la part cachée de l'ego qu'on appelle la zone d'ombre, ce que Jung appelle la zone d'ombre. D'accord ? Oh, vous avez remarqué qu'il y a des films qui nous interpellent tous et qui ont fait de véritables tabacs au box-office. Moi, en 77, je suis un gamin, je regarde Star Wars et je suis halluciné par la technologie. Et c'est intéressant parce que mon grand frère, qui a 11 ans de plus, il adore Star Wars. Ce qui est intéressant, c'est que mon père, qui n'est pas un adepte de science-fiction, va aimer Star Wars. Pourquoi ? Autant de générations sont touchées par un même film. Parce que Star Wars va exprimer quelque chose de très simple. Nous sommes unis par deux forces. La force et le côté obscur de la force, qui est une force aussi. C'est-à-dire que finalement, on va se rendre compte qu'à chaque instant de notre vie, on a toujours cette liberté de choix de faire ou bien un acte, un système de pensée, qui correspond à la force, ou bien je peux mettre un pied dans le côté obscur. Maintenant, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Le côté obscur de chaque individu n'a besoin de rien pour se cultiver. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans un champ, les mauvaises herbes, elles poussent toutes seules. Il n'y a pas un mec qui dit « Bon, écoutez, c'est quoi ?» On va arriver, les gars. Qu'est-ce qu'on met comme mauvaises herbes ? Parce qu'on a intérêt, il faut bien qu'il y ait des mauvaises herbes quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a du chardon, on a du pissenlit. Laisse ton terrain comme ça, normal, t'inquiète pas, les mauvaises herbes, elles vont s'installer. Et les mauvaises herbes, vous savez quoi ? Ce sont nos mauvaises pensées. Ce sont nos fausses croyances. Ce sont toutes les idées collectives qu'on nous a envoyées, comme le fait que de décider un jour de tout quitter pour aller à la rencontre de soi-même, c'était être fou. Alors qu'on s'aperçoit que c'est juste l'un des plus beaux parcours initiatiques qu'un être puisse avoir, c'est-à-dire se rencontrer avec la personne qui comptera le plus pour elle, hein, lui. Okay ? Donc c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on se rend compte que si vous ne faites rien dans la vie, et bien en fait, les mauvaises herbes, elles poussent naturellement. Et les mauvaises herbes, elles vont s'incarner à travers quoi ? Des mauvais comportements, des mauvais choix, des mauvaises prises de décision, et au final, une réalisation qui ne correspond pas à ce que nous rêverions d'être dans la vie. En revanche, de poser des actions qui reposent sur la notion de force, c'est quelque chose de très important, mais ça demande de la vigilance, de l'engagement,
un peu de douleur, de l'effort, de la conscience, en clair, de la connaissance de soi. Ce qu'on a traduit ce soir à travers les exemples qui étaient brillamment donnés, à travers la notion de développement personnel. Mais vous savez, ce que j'ai appris de mon métier, une chose, c'est que il y a deux formes d'intelligence. Vous avez l'intelligence d'avant et vous avez l'intelligence d'après. L'intelligence d'avant, elle repose sur votre développement personnel, la capacité que j'ai d'aller chercher qui je suis, d'apprendre qui je suis, d'aller dans ma connaissance, d'observer quels sont mes travers et de les corriger au quotidien, et de, écoutez bien, mettre en place les changements nécessaires. Je reviendrai sur ce terme. Mettre en place les changements nécessaires. Ça, c'est l'intelligence d'avant. L'intelligence d'après, ça s'appelle des regrets, des remords, de la confusion. Vous devez comprendre une chose, c'est que où vous êtes au clair avec les changements que vous devez mettre en place dans votre vie, où vous aurez tous et toutes une intelligence d'après. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu diras « Comment j'ai pu laisser faire un truc pareil ?» Comment, à l'aube de ma vie, ou au démarrage de ma mort, comme vous voulez, j'ai pas fait les choses. Et vous savez, j'ai un ami canadien qui s'appelle Martin Latulippe, c'est un vrai pote. D'abord, je l'aime parce que j'aime son accent. Moi, j'adore les accents canadiens, tout le monde le sait. Et un jour, j'ai discuté avec lui, il m'a dit un truc très très beau. Il m'a dit qu'il avait discuté un jour avec son mentor, qu'il lui a dit un truc qui est vrai. Et cette phrase, elle m'a marqué. Il m'a dit, tu sais, ce qu'il m'a dit, c'était que la douleur des regrets était beaucoup plus grande que celle de la discipline. Pourquoi on n'a pas envie de changer? Parce que le changement, c'est super. En France, il y en a un qui a dit « le changement, c'est maintenant ». Je pense qu'il a un problème de temporalité. Il y en a peut-être, alors sur l'échelle de l'humanité, maintenant, ça se situe entre là et 5 ans. C'est bizarre comme le rapport au temps change du jour au lendemain chez un politicien. On va changer le chômage en un an. Et après, non. On allait commencer à aborder le changement du chômage en un an. C'est ça. Pourquoi mettre en place le changement au cœur d'une campagne? Parce que tout le monde sait que c'est évident. Mais que c'est complexe, le changement. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas envie de changer? Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je parlais de l'ego, et tout à l'heure, je parlais des cellules. L'ego et les cellules, mis ensemble, ce sont deux acteurs surpuissants pour que vous ne changiez pas. Parce que l'ego déteste le changement. L'ego, il adore le statu quo. Et le système homéostasique, il sert à quoi? Le système homéostasique, c'est la fonction qu'on a dans notre corps tout entier pour préserver ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons une fonction intrinsèque pour ne pas changer. C'est-à-dire que de facto, nous sommes tous équipés pour rester comme nous sommes. Qu'est-ce qui fait la différence? La volonté. Laissez-moi partager avec vous quelque chose de très intéressant. J'ai eu cette chance de rencontrer des grands professeurs de neurosciences, de mécanique quantique. À chaque fois que j'ai voulu me former dans un domaine, je me suis toujours posé la question, qui était le meilleur au monde, of the world? Et là, j'allais les voir. Et vous savez, je me suis vraiment attendu, quand j'arrivais, à voir ces personnes-là, à avoir des scientifiques hyper pragmatiques qui excluent complètement d'un revers de main la notion d'âme ou la notion de Dieu. Et pourtant, c'est tout le contraire. Plus j'allais dans des sphères élevées, et plus les personnes ont une mysticité, ont un rapprochement à Dieu qui est incroyable. Et tous, sans aucune exception, m'ont parlé d'âme. Parce que c'était la seule chose qui permettait d'expliquer le fusionnement de l'ensemble des systèmes. L'âme, elle ne veut qu'une seule chose, c'est que vous vous réalisiez. Parce que chaque être humain, il veut exister. Ex ester. Ex à l'extérieur, être. La seule chose que nous voulons, nous les êtres humains, dans nos fonctions intrinsèques, c'est d'exister. Nous allons prendre des stratégies, des chemins, pas toujours les bons, pour pouvoir se réaliser. Mais nous allons avoir à trouver notre voie. Pour certains, cette voie s'appellera le coaching. Pour d'autres, cette voie s'appellera le sport de haut niveau. Pour d'autres, cette voie s'appellera la randonnée de l'impossible. Mais on a tous envie d'exister.
Et l'existence, c'est quoi? C'est cette force intrinsèque qu'on a de vouloir se réaliser. La bonne nouvelle, c'est que vous l'avez tous. Ce qui fait que vous ne passez pas à l'acte, c'est cette résistance au changement. Cette résistance au changement parce qu'on n'aime pas changer. Alors cette âme, en fait, en vrai, pour pouvoir s'incarner dans le réel, elle va traverser plusieurs étapes. La première étape qu'elle va traverser, c'est le monde de l'esprit. Quand cette volonté intrinsèque d'exister traverse ton esprit, on appelle ça la volonté. La personne se dira, j'ai la volonté de voyager pendant 2 ans, de faire le tour du Maroc à pied. J'ai la volonté. Pour l'instant, ce n'est qu'une vue de l'esprit. Et puis un jour, le gars dit, j'y vais. À ce moment-là, l'âme, elle traverse une autre couche qui s'appelle la matérialité. D'accord ? Cette couche s'appelle la matérialité. Quand je commence à rentrer dans le physique, ça ne s'appelle plus la volonté, ça s'appelle la motivation. Ok ? Je suis motivé à. La motivation, c'est l'énergie, c'est l'envie. Donc le gars, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va commencer à se préparer, prévenir tout le monde. Grande erreur. Prévenir tout le monde qu'il va partir, faire le tour. Ça y est, il est motivé. Qu'est-ce qui fait qu'au bout de 1000 km, il revient pas chez lui ? Non, parce qu'il y a un moment donné, même Forrest Gump, il s'est arrêté. Pourquoi le gars, il va jusqu'au bout ? Pourquoi il décide d'aller faire son tour, quoi qu'il arrive ? C'est-à-dire, vous savez quoi ? Il a incarné dans le réel son âme, son envie d'exister. Et ça s'appelle la détermination. Maintenant, vous devez comprendre une chose. C'est que pour changer, vous devez être déterminé. On ne change pas comme ça. D'ailleurs, vous savez, c'est intéressant. Quand est-ce qu'arrive le changement dans notre vie ? Il y a plusieurs raisons qui font qu'on va avoir envie de changer en vrai. La plupart du temps, une baffe, un mur. Tu viens de répéter erreur après erreur, et là tu viens de te prendre un mur à 150 km/h, sans ceinture de sécurité ni pare-brise. Tu es scotché contre le mur comme ça, et tu dis, faut que je change. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est la douleur qui nous fait changer. Il y a une deuxième source qui est incroyable pour changer. L'amour. Oh yeah. Les choses de dingue qu'on est capable de faire par amour, c'est un truc de fou. Ce qu'on est capable de supporter par amour, c'est un truc de fou. Je crois que c'est plus vrai dans son sens vers le mien qu'autrement. Ok ? J'entendais les commentaires. Ah, c'est ça. L'amour. Oui ? Merci. Et puis après, il y a cette envie profonde de se réaliser et de se dire, tiens, et si je faisais quelque chose de ma vie ? Vous savez, on partage tous un point commun, tous sans aucune exception, on va tous mourir. On va tous mourir. Alors je sais qu'on nous organise plein de choses, tu parlais de la société qui nous trompe en fait en vrai, et comment elle nous trompe la société ? En nous faisant croire l'illusion de la diversité, l'illusion du divertissement. C'est-à-dire qu'on a organisé aujourd'hui un système mondial pour nous empêcher de réfléchir et de prendre sa vie en main. Je vois une personne qui passe des vies entières à regarder les dernières nouvelles émissions de télé-réalité. Qu'est-ce que tu fous là ? Parce qu'il y a un jour, tu vas être juste avant ton dernier souffle, et tu te diras, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Posez-vous cette question, parce qu'on ne se la pose jamais assez. Quand je vais mourir, et je vais me retourner derrière, qu'est-ce que j'aurais réalisé ? Est-ce que j'aurais été à la rencontre de moi-même à travers une quête spirituelle, initiatique, en marchant ? Ou est-ce que bon an, mal an, j'aurais passé des années en attendant l'heure fatidique ? Comme disait Bernard Shaw, j'adorais cette phrase,
Il est mort à 32 ans, on l'a enterré à 90. Des morts. Des morts. Dans toutes les approches philosophiques ou religieuses, on parle des morts vivants. Alors je sais que Hollywood nous a rendu ces morts vivants des êtres abjects qui essayent de nous bouffer. Alors ils sont putréfiés, on ne sait pas comment ils vivent. Et donc ils bougent. Mais c'est quoi un mort vivant? C'est quelqu'un qui est là, mais qui ne se réalise pas. Faites-vous partie de ces morts vivants ou faites-vous partie de ceux qui vont être considérés comme des fous et qui vont se réaliser? Parce qu'entre deux, il n'y a qu'une seule chose, le choix. Vous savez, on nous dit que Dieu nous a donné le libre arbitre. Je trouve ça génial. La question, le problème, ce n'est pas qu'il nous l'ait donné, c'est est-ce qu'on utilise ce libre arbitre? Est-ce qu'on utilise cet outil absolument extraordinaire de dire « Je vais choisir d'être quelqu'un de différent. Je vais choisir d'être un meilleur père, un meilleur manager. » Vous savez, vous devez comprendre que quand on parle de la notion de changement, on parle aussi de la notion d'opportunité. Tout à l'heure, j'ai souvent entendu ça, opportunité, risque. On a toujours considéré qu'une opportunité, c'est un train qui passe. Et puis, il y a des personnes qui disent « Je ne vais pas prendre le train de 7h30, finalement, je vais prendre le train de 8h30. » Puis le mec, il est encore sous sa couette. C'est pour ça que j'ai compris tout ce qu'il disait sur le lit tout à l'heure. Il n'y a rien de pire au monde qu'un lit, surtout confortable. Parce que tu as envie d'y rester. Et là, tu es sous ta couette et tu dis « Bon, allez, il y a un autre train à 9h30. » Mais tu as raison. C'est un autre train. Un train dans lequel il n'y aura pas les mêmes personnes, tu ne feras pas les mêmes rencontres, tu n'iras pas... quand tu iras voir ton client, peut-être que tu l'as vu une heure trop tard. Et entre deux, il s'est énervé ton client. Il n'est plus disposé à t'écouter. Les opportunités, ce sont les trains. La gare, c'est la vie. Et toi, t'es le passager. Qu'est-ce que tu saisis? Chaque changement que vous allez mettre en place dans votre vie est une opportunité. Saisissez-la. Vous devez avoir un rapport différent au changement. C'est vrai, tout le monde, enfin, c'est une ouverture très abusive que je suis en train de dire quand je dis tout le monde, mais globalement, autour de vous, les gens n'aiment pas changer. Il y a des enquêtes qui ont été menées en France sur le changement qui montrent que dans l'entreprise, seuls 12% des gens aiment le changement. Alors, on a un tas de managers qui pensent que tout le monde aime changer, mais il n'y a que qui aiment changer. Alors que les gens, ils préfèrent avoir leur quotidien avec leurs repères. Mais non, le changement, il est permanent. Vous savez qu'on se renouvelle au niveau cellulaire tous les 15 ans. Et même quand, dans les années 60, on nous a dit qu'on perdait des neurones et qu'on ne les récupérait pas, c'est bizarre, aujourd'hui on dit « Non, non, c'est pas vrai. On perd des neurones, mais tu peux en créer d'autres. » Ça s'appelle la neurogénèse. Comment tu en crées? En te forçant à mettre en place quelque chose de nouveau dans ta vie. Quand tu te forces à mettre en place quelque chose de nouveau dans ta vie, ça s'appelle quoi? Le changement. Et c'est bizarre que les neurones qui sont nouvellement créés à l'âge adulte, d'accord, sont aussi plus complexes que les autres. Parce qu'on parle de neurogénèse et on parle de synaptogénèse. Et à ce niveau-là, on va s'apercevoir que ces neurones-là sont beaucoup plus habiles que les autres et apprennent beaucoup plus vite. Alors même si on nous a vendu l'idée du changement, c'est difficile, c'est dur, c'est pas facile. Combien de fois dans l'entreprise j'ai entendu « c'est pas mon âge que je vais changer ». Alors t'es un mort vivant. Parce que changer, c'est en un claquement de doigts. Changer dépend du niveau de maturité que tu as avec la réalité. Vous savez, on va prendre le mot « changement ». Changement. Le changement, dans son champ, c'est le champ des possibles. Absolument, tout est possible. Si vous saviez ce que j'ai observé, ce que j'ai eu la chance d'accompagner des sportifs de très très haut niveau, champions du monde, champions olympiques, j'ai eu la chance de travailler avec des grandes stars, des pop stars. J'ai travaillé avec un monsieur brillantissime qui s'appelle David Guetta. J'ai travaillé avec dans le monde de la télé. J'ai eu la chance de côtoyer ces personnalités absolument dingues qui changent le monde. Des hommes politiques. Génial. Mais tous considèrent que le changement, c'est le champ du possible. C'est bizarre, dans leur tête,
tout est possible. Absolument tout est possible. C'est rigolo, je ne sais pas si j'ai vu ça, il y a de ça quelques années. On est quelques années, 93. D'accord ? En 93, il y a une crise immobilière qui frappe l'ensemble de l'Amérique du Nord. Donald Trump va perdre une véritable fortune et va se retrouver en négatif. Alors, un négatif pour quelqu'un comme Donald Trump, c'est un passif équivalent à l'équivalence de à peu près 200 millions de dollars. D'accord ? À l'époque, tous les journalistes du monde entier voulaient se faire Donald Trump. Ils l'ont tous approché, donnez-nous une interview, on veut comprendre, on veut savoir comment l'homme le plus riche du monde arrive là. Et puis, sa femme fait du sport avec une journaliste, et cette femme va travailler avec Ivana, elle va lui faire un travail au corps, elle va dire, je t'en supplie, c'est l'opportunité de ma vie, laisse-moi avoir une interview avec Donald Trump. Laisse-moi un moment avec Donald. Une exclusivité pour ma chaîne, je vais exploser. Il accepte. Parce qu'il sait qu'à un moment donné, il faut répondre à certaines questions. Les règles sont posées, le cadre est fixé, la journaliste arrive, et à un moment donné, elle va lui dire « Alors, Monsieur Trump, juste une question comme ça par entière, ça vous fait quoi d'être pauvre ?»« J'ai pas noté quelle est cette question que vous deviez me poser. »« Oui, mais pourtant, je vous la pose. »« Bah écoutez, alors je suis désolé de vous répondre, mais je ne suis pas pauvre. » Je savais que vous alliez me répondre ça, Monsieur Trump, alors j'ai pris soin de prendre un dictionnaire pauvre, dont la valeur des passifs sont beaucoup plus grandes que la valeur des actifs. Vous êtes en perte de 200 millions sur l'ensemble de vos biens immobiliers. Vous n'êtes pas pauvre, vous êtes archi-pauvre. Vous êtes surtout archi-bête, en fait, en vrai. D'abord, dans les yeux, je vais vous dire que vous ne faites plus partie de nos amis. Premièrement. Deuxièmement, j'aime pas être trompé. Troisièmement, je vais vous expliquer une chose. Quand je pense pas en milliers de dollars que je vais avoir à la fin du mois. Je pense en milliards. Et je sais que tout ce qui m'entoure n'est qu'une source permanente d'opportunités qu'il faut savoir saisir. Alors, puisque vous faites la maligne, faisons la chose suivante. On se retrouve dans 3 ans, jour pour jour, vous, moi, n'importe quelle télévision du monde entier, vous me présenterez vos excuses, parce que je vais vous expliquer ce que c'est que d'être riche. Être riche, aujourd'hui je suis riche, mais j'ai pas un sou. Mais j'ai le mental. J'ai le mental, j'ai l'intelligence, j'ai le savoir-faire, j'ai la connaissance. Et surtout, je sais voir dans chaque changement l'opportunité qui me permet de réussir. 3 ans plus tard, il pesait 320 millions de dollars. C'est-à-dire qu'en tout, 520 millions de dollars, demi-milliard propre. D'accord ? Ce que je veux juste que vous compreniez là, en fait, c'est que le changement, c'est un rapport. Si tu as un rapport qui est réel, tout ce que tu vas rencontrer dans ta vie, là, chaque chose est un champ d'expérience et d'opportunité. La relation avec ton épouse, ce qu'elle va te renvoyer, c'est une opportunité. Les difficultés que tu vas rencontrer, c'est une opportunité. Un chien qui meurt devient une opportunité de pouvoir aller jusqu'au bout. Après, il y a 2 choses. Je et moi. Je pourrais voir dans 2 choses. Qui je suis. Qui je choisis d'être. Oui, c'est intéressant parce que je me suis longtemps intéressé à cette notion de je. Quand je dis je, qu'est-ce que j'exprime ? Mon âme, qui veut s'extérioriser, qui veut exister. Quand je dis je, voilà. La plupart des personnes vous disent, eh bien moi je, il est en train de dire, j'existe. Les fameux moi je, ils sont juste en train de dire, j'existe. Mais vous devez voir ce je aussi comme un jeu. Et si le changement c'était un jeu ? Il y a un truc que j'adore moi, c'est changer tout le temps. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Je suis au restaurant, et j'ai commandé un plat, et on se trompe, on m'en apporte un autre. Je ne renvoie jamais le plat. Sauf si c'est des épinards. Il y a des traumatismes quand même, quand on pas tout éliminé. Mais si on est en dehors de l'épinard, je vais prendre ce qu'on me donne. Et il y avait un film qui était brillant, qui s'appelle Yes Man. Vous avez vu ce film ou pas ? C'était un film avec Jim Carrey,
où à un moment donné, sa vie va changer à partir du moment où il dit yes à tout. Soyez fou. Tu sais, ce qui est intéressant, c'est quand on dit à un homme, mais tu es fou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en dehors des sentiers battus. Tu es anormal. Est-ce que c'est pas le plus beau compliment qu'on t'ait fait dans ta vie, en fait, en vrai? Okay. C'est un truc énorme. Mais j'espérais... Vous savez, combien de fois il y a des personnes qui vont voir, mais tu sais quoi, hein? Et bah t'as changé. Oh, merci. Non, parce que ça fait juste 10 ans qu'on s'est pas vu, si j'avais pas changé... Tu te rends compte, si j'avais eu le même humour, avec les mêmes blagues, avec les... J'aurais été le même. Prenez le changement comme un jeu. Abordez le changement, abordez la vie comme un jeu. Amusez-vous. Mettez du fun dans ce que vous faites. Je sais qu'on veut se réaliser, on veut faire quelque chose de sérieux, mais je suis sûr d'une chose, c'est que dans ta quête, quand tu as marché pendant ces milliers d'heures, un nombre incalculable de fois, tu t'es marré. On est d'accord ou pas? Parce que de toute façon, on ne peut pas aller au bout d'un grand projet sans plaisir. C'est juste impossible. Et souvent, qu'est-ce qui se passe quand on a peur du changement? C'est qu'on ne met pas de plaisir dans ce qu'on fait. Mets du plaisir dans ce que tu fais. Mets de la grandeur dans ce que tu fais. Et puis enfin, il y a le moment. Ne sois pas un menteur. Sois lucide et sois vrai. Regardez vos défauts en face. Je vous en supplie, s'il y en a un qui peut vous parler de ça, c'est moi. Je suis pourri de défauts. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que quand vous acceptez de les voir vraiment en face, avec la dure réalité, parfois la violence réalité de ce que ça te renvoie, de ce que tu n'es pas, c'est à ce moment-là que tu trouves l'énergie nécessaire pour changer. Mais tant qu'on est un imposteur, tant qu'on n'est pas vrai, tant qu'on essaye de dissimuler, tu ne peux pas mettre en place de vrai changement. C'est pas possible. Le changement naîtra toujours dans la vérité. Le vrai changement, il naît dans la vérité. Tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. C'est pas grave. Tu peux le devenir. Et ça, c'est bon. Vous savez une chose aussi? C'est que nous sommes tous mués par deux forces. Il n'y a pas 36 000 émotions, hein, il n'y en a que deux. Hein. Je sais que dans la littérature, surtout dans la littérature occidentale, on dit il y a une palette d'émotions. Non, il y en a deux. L'amour et son contraire, la peur. Tout le reste ne sont que des influences de ces deux dynamiques-là. Quand tu abordes ton changement dans la vie, est-ce que tu le fais par peur ou est-ce que tu mets tout l'amour dedans? Est-ce que tu vas changer parce que tu t'aimes, parce que tu es un être intérieur ou parce que tu donnes le change à l'extérieur? Ta motivation, elle est intrinsèque ou elle est extrinsèque? Je vous jure que la motivation extrinsèque, elle tient jamais dans le temps. Jamais. Jamais. Par contre, quand ça vient de l'intérieur et que tu décides de devenir la version la plus grandiose de qui tu es, et que tu te dis, ok, si la version la plus grandiose de qui j'étais était là maintenant, qu'elle existe, elle ferait quoi comme choix? Elle amorcerait quoi comme changement? Et vous savez, après, just do it. J'adore Nike. Je leur fais de la pub à chaque conférence, mais parce que les mecs, ils ont compris le plus grand et le plus puissant slogan du monde. C'est qu'il y a un moment donné, tu peux tergiverser pendant 10 ans, tu peux préparer un voyage de 5000 km pendant 10 ans dans ta tête en disant tout est pas, ouais, mais un jour, tu sais quoi? Je partirai. Ouais, ouais. Et je ferai le tour du Maroc. Ouais. Et là, tu verras. 10 ans plus tard, le mec, toujours pas parti. Ah, c'est quoi? Mets tes baskets courtes. Marche. Avance. Même si tu sais absolument pas ce que tu auras en face. Et à un moment donné, fais-le, c'est tout. Le changement, il est beaucoup moins complexe que vous pouvez l'imaginer. Le changement ne fait peur que dans nos représentations mentales. Mais à partir du moment où tu agis... Vous savez, les boxeurs, quand ils s'entraînent, ils tapent un mec qui s'appelle Joe Lapeur. Quand on fait du training partner, ou quand on fait ce qu'on appelle du shadow, le shadow, c'est quand tu es tout seul, tu tapes un pas.
frappe Joe de la peur. Tu vas t'inventer un mec imaginaire. Tu peux mettre qui tu veux à ta tête. Ça peut être un ancien professeur, ta belle-mère. C'est pas grave, mais il s'appellera Joe. Et tu lui pètes la tronche. Un jour, j'interviewais un monsieur qui s'appelle Dida. Dida, il a été... C'est un extraterrestre. Le mec, il apprend la boxe thaïlandaise à 18 ans. À 18 ans, à une semaine avant ses 19 ans, il devient champion du monde de boxe thaï. Pas mal. Et il va être 11 fois champion du monde de boxe thaï. Pas mal. Et moi, un jour, je lui parle, je lui dis, ouais, de toi à moi, quand t'es sur le ring. Et être sur un ring de boxe thaï, t'es pas sur un moment de tendresse, quoi. T'as pas le sentiment que le mec, il va venir te prendre dans tes bras, te faire un petit poutou, et te faire un gros hug. Non, 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 non. Le gars qui est en face de toi, il veut ta mort. Donc quand tu montes devant un type comme ça, t'as peur ou pas? Oui. Mais oui, j'ai peur. Par contre, je sais une chose. C'est dès que le gong l'a retenti et que je fais mon premier pas, mon premier geste, la peur disparaît. Parce que quand tu es sur le ring, curieusement, la peur disparaît. La peur, les seigneurs, elle disparaît dans l'action. Quand il avance, il fait la chose suivante. Il se dit, ok, fixons un objectif ambitieux, identifie le prix à payer et agis massivement. Agis massivement. Vous n'êtes ce que vous êtes qu'à travers les actes que vous posez. Le changement, ce n'est pas quelque chose de complexe. Vous le complexifiez dans votre tête. Le changement, il s'agit de l'organiser à partir du moment où je sais très bien ce que je veux changer. Je suis au clair avec moi-même. J'accepte de payer le prix. Et j'agis. Je vais en terminer là. Je vais vous demander à tous de croiser vos bras, s'il vous plaît. Juste croiser vos bras. Super. Changer de sens. Ok. Si pour certains d'entre vous, vous avez le sentiment d'avoir la polio, peut-être que vous l'avez. Mais vous avez remarqué qu'à un moment donné, on a une habitude et puis d'un coup, on nous demande de faire quelque chose de différent. Et il y a un espace qu'on appelle l'espace de frustration-changement. Et que dans cet espace, on décide d'aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on décide d'accepter cette douleur immédiate pour un plus grand plaisir, et qu'on se dit, ok, je vais prendre le temps, mais je vais changer mes bras. S'il faut, tiens, je vais laisser celui-là là, je vais passer l'autre par-dessus. Et là, quand vous faites ça, vous savez ce que vous faites là? Vous créez une nouvelle connexion neuronale. Et puis après, il y a un espèce de français un peu fou qui va vous dire, croisez les bras. Et ensuite, changez de sens, et ça va vous sembler complètement naturel. Vous devez comprendre que le changement, il peut être naturel si vous acceptez cette frustration passagère au changement. Tout changement que vous réaliserez dans votre vie, quel que soit le domaine, quelle que soit la structure, quel que soit l'environnement, passe par de la frustration. Maintenant, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que ceux qui acceptent cette frustration et qui sont très au clair avec l'objectif qu'ils veulent atteindre, et qu'ils acceptent de payer le prix de cette frustration, changent beaucoup plus vite que les autres, beaucoup plus profondément, et avec beaucoup plus de puissance. Merci beaucoup.